J'ai la chance parfois de découvrir des produits vraiment exceptionnels et ce graveur X-Tool S1 est vraiment un produit d'exception. Je remercie tout d'abord X-Tool de m'avoir envoyé ce graveur pour effectuer son test. On va faire cette première vidéo pour découvrir les premières fonctionnalités de ce graveur et on va regarder un petit peu ce qu'il peut vous apporter, ce qu'il peut faire par rapport aux autres graveurs. Il y aura une deuxième vidéo et peut-être même une troisième vidéo pour découvrir également le logiciel qui permet d'utiliser ce graveur X-Tool. Bienvenue sur la chaîne des bricoles de Pascal, c'est parti pour la vidéo. Alors maintenant, faisons un petit tour de tout ce que vous recevez quand vous recevez ce graveur X-Tool. Alors oui, j'ai tout étalé sur la table ici. Alors, en premier lieu ici, on trouve le nid d'abeille qui va se loger dans le fond de la machine ici. Donc un nid d'abeille assez épais et il est équipé de ces petites équerres là, ces petits supports. Alors ces petits supports qui sont des petits supports extrêmement magnétiques qu'on vient mettre hop, dans les trous du nid d'abeille. Et je peux vous dire que bah, ça tient super bien parce que pour les retirer, il y a quand même une force, je pense que l'aimant a une force magnétique assez importante. Donc ça va nous permettre de brider les pièces sur le nid d'abeille de manière à ce qu'elles ne bougent pas pendant les mouvements du laser. C'est quand même pas mal. Donc il y en a quatre petites équerres et voilà, quatre petites pattes. Ça tient tout seul parce que c'est super aimanté. Ensuite, on va trouver les notices. Notices qui sont ici, explication de fonctionnement de la machine. Petite boîte à outils. Ici, avec tout ce qu'il faut dedans, tournevis, il y a deux lentilles de rechange. Il y a des petites clés USB qui doivent être les clés de sécurité. Et on a aussi le palpeur qui permet de faire le focal automatique, hein, le Y automatique qui est à monter. Jolie petite boîte hein, à l'effigie de X-Tool. C'est toujours, toujours plaisant de pouvoir avoir des petits rangements comme ça quand on a des équipements comme ça. Au moins, tout est centralisé dedans. Tout est rangé à l'intérieur. Ici, on va trouver un tube de graisse. Ça, ce sont des filtres de rechange pour la pompe de air assist. Donc, la pompe de air assist qui est ici. Donc, pompe de air assist qui se met en plusieurs positions ou avec une position automatique qui va être commandée sûrement par le logiciel, ça on va découvrir ça après, monté sur petit cylindre bloc, et ici on a le filtre interchangeable qui est sous la pompe de air assist, donc les filtres que l'on trouve ici, donc il y en a déjà deux de rechange, plus un dans la machine. Ici on va trouver le bloc d'alimentation 220 volts, ça c'est classique, les câbles de raccordement, donc je suppose qu'il y a un câble pour raccorder au PC si on a besoin, et sûrement le câble également pour raccorder à la pompe de air assist. Ici, tuyau d'évacuation à brancher sur l'arrière du graveur. Donc ça, je vais m'en servir parce que ça va permettre d'avoir, puisqu'il est entièrement fermé, permettre d'avoir une évacuation des fumées. Et ça, c'est pas négatif non plus. C'est un truc intéressant. Et enfin, ici, on va trouver le bloc laser. Alors ici, c'est le bloc laser de 40 watts. C'est très joli, hein, ce petit côté doré, ça présente vraiment très bien. Alors, ce S1 peut être équipé de cette tête de 40 watts, la même tête en 20 watts, et également un module de 2 watts infrarouge, 1064 nanomètres, pour plus graver le métal, tout ce qui est plus plutôt acier et toutes ces choses-là. Donc ici, ça va être un laser 40 watts qui va être vraiment polyvalent pour tout ce qui est découpe du bois, découpe de l'acrylique et gravure de, également tout ce qui est bois, ardoise et tout le reste. Hein. Donc on pourra faire des essais parce qu'il y a ce qu'il faut pour faire des essais. On va finir l'assemblage de tout ça. Donc j'ai déjà commencé à assembler, enfin à retirer les petites cales qui sont à l'intérieur pour le transport. Il y a deux petites cales qui sont à retirer avec deux vis chacune qui permettent d'immobiliser les axes. Maintenant, l'ensemble, je vois qu'il y a encore une protection ici, hop, que je vais retirer. On va pouvoir commencer à monter le bloc laser sur l'ensemble du corps du laser. Et puis, on va pouvoir commencer à regarder comment ça fonctionne. Alors, pour le montage, eh bien, écoutez, c'est très simple, pas grand-chose à faire. Je rappelle aussi, je précise que la notice est en français, donc ce qui n'est quand même pas non plus négligeable. Donc, on va prendre le
bloc laser. Donc ici on voit la connexion pour le air assist et ici on voit la connexion électrique. Ici on a un petit pion de centrage et deux trous pour les dévis. On va venir donc connecter le air assist. On va venir connecter la nappe électrique. Voilà, c'est très facile. Ensuite, on met le pion dans le logement qui est derrière et on prend deux petites vis qui sont fournies avec le tournevis qui est également fourni. Et puis c'est tout, vraiment très simple. Petit tournevis bien pratique. Hop, ça je vous montre, ce sont les petites cales qu'il faut retirer, les petites cales en caoutchouc qu'il faut retirer avant, qui sont placées sur les axes d'un côté et de l'autre pour le transport. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le palpeur qui est ici, palpeur pour la distance Z, hein, palpeur qui va venir donner la distance de focale à régler. Et ça vient se mettre sur le côté ici. Et c'est tout simple parce que c'est tout simplement aimanté. Donc on a juste à le positionner comme ça. Et voilà, il est mis en place. Et puis ben voilà, pour le montage, eh bien, c'est terminé. Le montage est fait. Donc ici, on voit qu'on a la compensation en Z qui va pouvoir se faire de manière automatique. Et puis ben là, le graveur, il est prêt à être raccordé, prêt à servir. On va pouvoir commencer à regarder un petit peu le fonctionnement maintenant. Allez, découvrons en détail ce magnifique X-Tool S1 qui est maintenant complètement installé. Alors ici, vous voyez l'extérieur. Donc franchement, question design, il n'y a vraiment rien à dire, hein. C'est vraiment un superbe design que ce X-Tool en version blanche comme ça. Il est vraiment super beau. Franchement, chapeau pour le design. Alors c'est quand même un beau bébé, hein, qui mesure 76 par 56 et qui pèse environ 20 kg. Donc c'est quand même pas un petit graveur. On va ouvrir tout ça, on va regarder l'intérieur. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on voit en premier ici? Ce magnifique nid d'abeille. Alors, surface de gravage pour ce graveur, on est sur 50 cm de largeur sur 32 cm de profondeur. Ce qui en fait quand même quelque chose d'assez conséquent, même si la profondeur est un peu inférieure à ce qu'on trouve sur les autres graveurs. Mais par contre, on récupère ça dans l'autre sens sur les 50 cm que l'on peut obtenir en longueur. Ici, on trouve le module 40 watts. Alors, regardez-moi cette beauté. Franchement, avec cette couleur dorée, il est vraiment magnifique. Il y a vraiment une recherche qui a été faite dans le design, hein, de cet équipement. C'est vraiment très joli. Et sur le côté ici, on va trouver le petit pointeur qui va servir à faire l'autofocus, parce que ce graveur est équipé en autofocus. Donc, c'est quand même pas mal aussi. C'est quelque chose d'important qui limite les opérations manuelles, hein. On a l'arrivée d'air assist qui est ici et la pompe d'air assist que j'ai connectée qui est ici, juste à côté du graveur. Donc il est maintenant mis sous tension et vous allez voir les dispositifs d'éclairage. Alors regardez la zone de travail, comment elle est super bien éclairée. C'est vraiment génial. On a une barre de LED qui se trouve sur la partie avant ici. Voilà, on a une barre de LED ici et on a la même à l'arrière. Donc ça fait un système qui rend vraiment une grande luminosité à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais on voit la croix du laser. Je vais vous expliquer ce que c'est après. C'est un dispositif de pointage très ingénieux. Voilà, donc je referme le capot. Donc capot qui nous classe ce graveur en classe 1. Donc ce qui vous dispensera de porter des lunettes. Regardez quand on voit la zone de travail. Allumé comme ça, c'est vraiment magnifique. Ici, on a le bouton de commande. Sur le côté ici, donc j'ai branché le tuyau d'évacuation. Donc évacuation de fumée que vous pourrez passer par la fenêtre, hein, qui vous permettra d'évacuer une grande partie des fumées. Ici, bouton d'arrêt d'urgence, important. Là, on trouve sur l'arrière les connexions, le bouton marche arrêt. Ce que vous voyez ici, une petite clé USB qui est ni plus ni moins une clé de sécurité. Tant que cette clé n'est pas insérée, vous ne pourrez pas démarrer le graveur. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir une sécurité enfant éventuellement. Hein. Et ça permet d'inhiber complètement le graveur si on ne met pas cette petite clé. Donc ça c'est vraiment intéressant.
Les connexions des différents composants se fait par ici, par de l'USB. Donc ici, on a, j'ai la pompe de air assist qui est connectée. Le départ, l'arrivée d'air, pardon, de la pompe de air assist. Ici, on voit la sortie. J'ai donc démonté la grille, hein, et j'ai raccordé le tuyau d'évacuation d'air sur la sortie de la grille. Ici, on arrive sur la pompe de air assist qui est maintenant connectée. Donc, branchement par câble directement, c'est du USB, hein, c'est un peu genre USB. La pompe de air assist qui peut se mettre en automatique, l'alimentation électrique. Et voilà un peu pour ce magnifique graveur S1 de chez X-Tools. Alors maintenant, on va pouvoir découvrir toutes ces aptitudes techniques à ce graveur. Hein. Vous voyez, je filme de l'autre côté, on voit la rampe de LED. Ça éclaire super bien la zone de travail. Et ça va être vraiment un plus pour voir ce que l'on fait et comment ça travaille. Je trouve ça du plus bel effet. Ça fait vraiment graveur professionnel. On arrive dans une dimension, hein, dans une autre dimension avec ce type de graveur. C'est vraiment un très très bel objet. On va parler en premier, avant de faire des tests de gravure, on va parler de logiciel. Alors ce graveur X-Tool S1 est compatible notamment avec Lightburn, pour ceux qui le connaissent, mais X-Tool propose une application, un logiciel de préparation de gravure propre à la marque, hein, qui s'appelle X-Tool Creative Space, et qui je trouve, je viens de le découvrir parce que je ne le connaissais pas, est vraiment très bien pour... commander ce graveur parce qu'il intègre toutes les fonctionnalités particulières de ce graveur, et je vais vous montrer l'utilisation de ce graveur en utilisant ce logiciel parce que je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser et découvrir un nouveau logiciel. L'utilisation sous Lightburn fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant on va regarder un petit peu comment ça fonctionne avec ce X-Tool Creative Space. Alors ici on arrive sur la page d'accueil de X-Tool Creative Space. Donc on voit représenter notre zone de travail. On voit ici matérialiser la petite croix que vous voyez sur la zone de travail, sur le nid d'abeille. Donc cette croix, elle se déplace en temps réel, notamment sur le X-Tool et également sur la page du logiciel. Donc ça, c'est vachement important parce qu'on sait toujours où est placée notre tête laser en fonction de l'emplacement que l'on souhaite. Première chose à faire quand on va mettre un élément à graver, c'est de faire le réglage de la hauteur focale. Donc ici, je vais venir cliquer sur ici pour calculer sa distance. Il va donc venir palper le matériel avec le palpeur que j'ai monté tout à l'heure. Et ensuite, il va dans le fond du graveur pour ranger la tige du palpeur qui était sortie. À partir de ce moment-là, il connaît sa distance focale par rapport à l'épaisseur du matériau. Ensuite, le système dont je vous parlais, le système de marquage, il va fonctionner très simplement. On va se servir de cette croix qui est ici et on va déterminer les zones sur lesquelles on veut graver quelque chose. Alors imaginons que cette pièce-là, c'est quand même des chutes de bois qui sont encore utilisables. Je veux dire que je veux commencer par ce coin ici. Donc je vais mettre le laser ici et je vais faire commencer à marquer. Donc je dis que je vais faire un rectangle et là je fais sur commencer à marquer. Une fois que j'ai choisi mon premier point, ici je l'ai placé dans l'angle supérieur gauche de ma planche. Une fois que j'ai positionné ma tête laser à l'endroit souhaité, je viens appuyer sur le bouton ici pour enregistrer le premier point. Deuxième point, je vais dire que ma zone se continue ici. Je vais faire la zone qui est ici au-dessus. Voilà. Je viens positionner mon laser ici. Et je lui indique que c'est le deuxième point. Donc là, on a fait notre première forme. Ensuite, si je veux faire une autre zone, admettons ici. Je vais faire une autre zone ici. Donc là, je fais marquage de fin. Et ensuite, je viens déplacer mon laser et je recommence une autre zone. Premier point. Je vais faire ensuite ici un deuxième point. Donc là, je suis venu mettre une deuxième zone de gravure. Et puis, je vais dire que la petite planche ici, ça m'intéresse de venir en mettre une aussi, de la gravure dessus. Donc, je vais faire pareil pour la petite planche. Je vais prendre le point ici. Donc, je vais faire ici marquage de fin. Et je recommence un autre marquage. Premier point. Et deuxième point. Marquage de fin, et je dis là, j'ai assez de zones par rapport à ce que j'ai sur ma
sur mon nid d'abeille, donc je vais me servir. Allez, on voit à l'écran que toutes nos zones sont apparues. Alors ici, je suis un peu hors zone par rapport à celle-là, mais les zones que j'ai données sur mon graveur sont venues se matérialiser ici sur mon espace de travail. Donc si je prends une forme, si je veux insérer une forme, que je dis que je vais venir mettre un cercle ici, que je vais venir mettre, allez, on va mettre une étoile ici, et on va mettre autre chose, on va mettre un cœur, allez, un cœur, c'est joli un cœur, on va mettre un petit cœur ici. Donc, j'ai réparti dans chacune des zones que j'ai déterminées un élément à graver. Donc, je vais les graver pour qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Je vais faire graver et je vais mettre une puissance de 60%, une vitesse de... Là, je vais refermer le couvercle. Je peux lancer un encadrement, c'est-à-dire que je peux lui demander de cadrer la zone. Voilà, donc il va venir me cadrer la zone complète de ma gravure. Donc là, il prend vraiment tout le périmètre de la zone que je lui ai indiquée. Il englobe les trois zones que je lui ai spécifiées. Il revient à son point d'origine. Cadrage terminé. Je fais traiter. Donc il va traiter, on la voit apparaître ici, mes trois éléments. Et je lui dis démarrer. Et quand j'ai besoin, quand j'ai fini de préparer mon... J'appuie sur le bouton ici. Et la gravure se fait toute seule. Donc voilà, donc vous avez vu que les trois zones que j'ai déterminées au départ, à savoir cette première zone ici, la deuxième zone que j'ai faite ici et la troisième zone ici, ont été gravées en fonction de ce que je lui ai donné à l'écran. Donc ici je fais terminer, voilà, et si je regarde ce que j'avais à l'écran, c'est tout à fait ce que j'ai maintenant sur ma surface de mon bois, hein. Donc j'ai vraiment représenté les trois zones. Donc ça va être quelque chose qui va être super important et super simple à utiliser. Alors, l'application de ce type de positionnement va être vraiment intéressant quand on fait des petites choses comme ça, hein. Si on veut faire de ce type de médaille, donc on va en faire une, hein. Donc je vais venir la positionner sur mon nid d'abeille. Voilà, je la mets sous la croix et je vais faire mettre ma distance focale. Voilà. Donc là, il a pris la distance focale et je vais venir maintenant lui indiquer où est-ce qu'est ma surface à graver. Donc je vais faire commencer à marquer et là, je vais choisir cercle, commencer à marquer. Et là, il me dit de prendre trois points sur la périphérie du cercle. Donc je vais commencer par un point en partie haute. Voilà, ici, premier point. On a un deuxième point ici, troisième point et ici. Donc là, mon cercle marquage de fin effectué. Et là, qu'est-ce que j'ai sur mon écran? J'ai ma médaille qui est dessinée, donc mon diamètre de médaille qui est dessiné ici. Alors ici, si je veux lui faire un petit texte, eh bien, je vais écrire le nom de mon chien, par exemple. Voilà maintenant ce que ça va donner. Et je vais pouvoir lui choisir... Ici, c'est l'avantage, c'est que j'ai gravé et j'ai, c'est ici, matériaux définis par l'utilisateur. Donc ici, on est sur, où est-ce que j'ai vu ça? Je crois qu'on a quelque chose là-dedans. Ah, médaille en inox pour les chiens. Voilà, donc là, j'ai mis ça comme paramètre de réglage. Donc normalement, si je prends, il m'a mis 60%, vitesse 240, et donc il va pouvoir me faire ma gravure. Donc
Je peux faire un encadrement. Voilà, donc là on est bien sur la. On va cadrage terminé, traité, et on va démarrer. Et j'appuie sur le bouton. Voilà, c'est terminé. On va regarder le résultat. C'est plutôt même très joli. 30 mm de diamètre et on a placé le dessin dessus de manière très précise. Je l'ai essuyé un peu parce que j'ai mis les doigts dessus et c'est super joli. Voilà, c'est vraiment super bien fait. Donc vous avez vu par l'exemple concret de cette petite médaille, hein, la précision de ce type de ce système de marquage de la zone de gravure, c'est quelque chose qui va vous faire gagner un temps vraiment considérable dans votre préparation pour vos gravures, être sûr de placer vos éléments, vos motifs vraiment toujours au bon endroit. C'est vraiment quelque chose de génial. Ça transforme ce graveur laser en un graveur professionnel qui va vous faire gagner un temps considérable dans vos travaux. Je vous laisse regarder quelques réalisations que j'ai faites avec ce graveur sur différentes matières, différents projets que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà pour cette vidéo, la première vidéo découverte de ce graveur X-Tool S1 et j'avoue que je me suis vraiment fait plaisir à découvrir ce graveur. Alors je me suis fait plaisir à découvrir le graveur, je me suis fait plaisir à découvrir le logiciel X-Tool Creative Space et franchement que vous soyez débutant, professionnel, que vous soyez aguerri dans le domaine, c'est un logiciel qui se prend en main très rapidement et l'ensemble graveur logiciel vous apporte des solutions techniques que moi j'ai jamais eues aujourd'hui. Alors, je vous ai montré la solution de cadrage automatique de la zone de gravure que vous faites dans votre graveur et que vous reportez sur votre logiciel. Ça, c'est franchement génial. Dans la prochaine vidéo, on verra un complément de cette utilisation qui est la solution de pouvoir graver des pièces concaves ou des pièces convexes. Et oui, ce graveur peut faire de la compensation en Z en temps réel. C'est-à-dire que quand vous aurez déterminé la position et la forme de votre pièce, il va compenser la hauteur de focale en fonction de la forme de votre pièce. Ça, on le verra dans la vidéo suivante. On ne peut pas tout montrer dans la première vidéo parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire techniquement de ce graveur? Qu'est-ce qu'on va retenir comme point important? On va retenir la sécurité. Sécurité totalement maîtrisée avec ce graveur. Détection incendie présente dans le graveur. Option possible de mettre un système d'extinction automatique avec des cartouches de CO2 qui se déclenchent si jamais vous avez un départ de feu. Ça, c'est vraiment génial.
Le capot translucide qui va classer votre laser en classe 1, donc pas d'obligation de porter des lunettes. Vous avez une vision totale de la zone de travail, vous avez un éclairage qui est vraiment super efficace à l'intérieur, vous voyez tout ce qui se passe, vous pouvez suivre en temps réel sans vous encombrer de ces lunettes. On va aussi parler de l'aspiration des fumées qui est vraiment top. Vous pouvez passer le tuyau par la fenêtre et vous avez un rejet à l'extérieur. Vous n'avez pas de fumée dans votre maison. C'est un graveur qui pourra s'utiliser en intérieur sans aucun problème. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important aussi à préciser parce que ce n'est pas le cas de tous les graveurs. On peut paramétrer le temps de fonctionnement du ventilateur juste après que la découpe ou la gravure soit terminée de manière à évacuer toutes les fumées qui sont dans le caisson avant d'ouvrir celui-ci. Ça se paramètre dans le logiciel et ça fera également l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. On va retenir sa vitesse d'exécution jusqu'à 600 mm par seconde. C'est vraiment considérable. La possibilité de découper des matériaux comme ce sapin de 18 mm en une seule passe, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Franchement, c'est quelque chose qui est quand même très très confortable, qui va faire gagner du temps, que ce soit pour une utilisation personnelle ou une utilisation professionnelle, parce que ça, on arrive dans un domaine de graveur qui peut tout à fait être utilisé dans un domaine professionnel. On a une zone de travail très grande, hein, de 500 mm par quasiment 330 mm, donc c'est quelque chose d'important. Vous avez vu, j'ai gravé un paillasson, alors je ne peux pas vous le présenter ici, parce que je l'ai déjà donné, c'était pour mon fils qui a vraiment apprécié, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais pu faire avec aucun autre graveur. J'avais jamais eu l'idée ni la possibilité d'essayer ça. C'est vraiment génial. Enfin, je vous présenterai d'autres matériaux. On utilisera d'autres matériaux, du plexiglas, du PMMA. On verra d'autres aspects techniques de ce graveur. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, c'est l'occasion de le faire. Comme ça, vous ne louperez pas la prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce graveur X-Tool S1, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je réponds à tous mes abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous souhaitez savoir le prix de ce graveur, n'hésitez pas à regarder dans la description, je mettrai tous les liens nécessaires. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus !